Donc, suite à la visualisation des performances Apache qu'on avait vues un peu plus tôt lors de la dernière séance, là on va passer donc maintenant à la partie plus optionnelle, si on peut dire, là, mais qui a un certain intérêt. C'était pour donc dockeriser Apache, donc mettre Apache à l'intérieur de Docker pour, comme on avait vu, nous permettre de le déployer un peu partout et que ça soit un peu plus malléable. Je vais passer beaucoup plus de temps. On avait fait le Air Snapshot en Docker où j'avais fait ça un petit peu à paf paf pif pouf paf, puis hop, ça marche, puis voilà, c'est dans la poche. Là, vu que c'est Apache, puis que c'est, comme je pense, plus utilisé que Air Snapshot, on va prendre plus le temps de voir le processus, l'utilisation des variables, etc. Donc, on va prendre plus notre temps pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du système. Mais en compte rendu, ça reste encore un peu un survol, parce que quand tu arrives en production, c'est pareil, mais c'est voir comment vous allez plus se customiser si vous avez plusieurs environnements, etc. Donc ça, c'est plutôt face à votre environnement. Donc je vais me créer, bon là j'ai fait un Marine Apache, là. Oui c'est l'allemand ici. Donc ça c'est mon Apache, où j'ai fait donc juste un répertoire, j'ai fait un git init juste pour pouvoir avoir une historique en fait des changements que je ferai. Et bon là je pourrais rajouter une licence. Bon, je vais rendre jusqu'à la fin tant qu'à y être là. Donc, tout ça on avait vu ça lors de la formation Git. Donc ici vous mettriez une licence tout dépendant ce que vous voulez là, MIT, GPL V3 ou peu importe. J'ajoute et je fais juste un commit initial pour dire que c'est le début de mon dépôt. Pif. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un fichier Docker, donc pour commencer à écrire notre syntaxe pour Docker, pour pouvoir avoir, je vais mettre ça plus grand, pour pouvoir définir notre configuration. Donc, je vais copier-pester tout ça, puis on va commencer à lire tranquillement. Ok. Bon, là, je suis parti. Là, on voit que c'est un i686 que j'ai mis parce que mon laptop, quand je prépare mes formations, il est en 32 bits au lieu de 64 bits, là. Mais ici, normalement, vous mettriez un Debian ou autre chose, là. Donc, je pourrais juste enlever. Je vais juste regarder les images que j'ai. Docker image. J'ai l'étude à i686. Non, je ne l'ai même pas en plus. Parvenir. Donc ça c'est donc le from, c'est là où je vais définir quelle distribution de base je vais vouloir avoir. Ici je vais utiliser un Ubuntu 32 bits parce que c'est ça que j'ai parce que ça marche sur mon laptop quand je prépare mes formations dans le train. Mais ici donc mon from, mon image de base, je pourrais mettre une Debian, une CentOS. Bien entendu, si ici je change donc mon from pour mettre une CentOS, ben, par le fait même, il va falloir que je remplace mes apt-get par des yum. Donc, il va falloir que pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas transparent. Là, je définis le maintainer, juste pour au cas où qu'il y aurait un bug et que quelqu'un voudrait me le signaler. Je définis que c'est pour l'utilisation du apt-get que c'est non interactif. Donc, en d'autres mots, ça, c'est une variable d'environnement que je définis pour pas qu'il me pose des questions ou que, donc, apt-get, quand il va recevoir ça, il va dire, OK, ah, ben, il n'y a pas un humain qui est en train de taper les instructions. Donc, pas besoin de lui montrer un menu pour qu'il fasse ses choix, mettons. Quand tu installes PostFix, il va te demander est-ce que tu veux avoir, est-ce que c'est une configuration localhost, est-ce que c'est une configuration Smart Relay, donc pour faire utiliser un Relay Host, ou une configuration pour être sur Internet. Vu que j'ai mis non interactive, il ne va pas me casser les couilles avec des questions inutiles. Du moins que je ne pourrais pas répondre vu que c'est mis dans un Docker, donc pour automatiser le processus. Par la suite, je définis ce que je veux installer. Donc, au début, je fais un apt-get update pour qu'il aille rechercher une mise à jour des disponibilités des packages. Si la première commande a fonctionné, à ce moment-là, il passe à la deuxième grâce au éperluette qui est là. Et là, il fait le apt-get install. Je mets moins Y pour, encore une fois, pour qu'il réponde yes automatiquement. Et il va faire l'installation de Apache 2, Apache 2 Utils. Et après, je fais un clean-up juste pour économiser de l'espace disque dur. Donc, apt-get clean qui est par la suite.
Là, je fais un petit fixe de time zone parce qu'il n'y a rien de plus qui m'emmerde, c'est quand je regarde les logs puis que je suis en UTC là, puis que là, il faut que je calcule moins 5, moins 6, machin, là, ça m'emmerde. Fait que là, au moins, je vais être en time zone Canada, donc les logs, la date qui sera dans les logs seront avec la bonne heure, puis j'aurai pas besoin de faire de calcul. Je définis que j'expose le port 80 et je démarre le Apache en premier plan, en foreground. Donc pour qu'il reste là. On va voir un petit peu plus en détail les différents, justement cette utilisation de la commande et avec le fonctionnement, on va l'utiliser. Grosso modo, c'est juste ça que mon Dockerfile va contenir pour le moment, puis on va le construire. On s'entend que moi, quand j'ai construit ça, ben là, le Apache était un peu plus simple parce que j'ai plus l'habitude. Mais généralement, quand je construis mon Dockerfile, ben je vais démarrer mon image de base, puis je vais commencer à taper mes commandes, puis les noter au fur et à mesure, puis après, je les transpose dans mon Dockerfile au fur et à mesure pour comme ça. C'est plus facile à créer que commencer à écrire, puis là tu te trompes, puis là il faut que tu changes, là. Donc c'est vraiment le processus dans la vie réelle que je vais utiliser. Et là, je vais builder avec Docker build moins T, comme on avait déjà vu. Le moins T, c'est pour lui donner un nom. Et là, il y a un petit point là, à voir, que on voit pas nécessairement. Bon, là, on voit bien sur la télé, là, mais à pas oublier. Ah, Docker build, T. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur Docker Hub l'image de référence. Donc si je vais là, hub.docker, vous en avez plusieurs qui sont disponibles. Je vais aller chercher i686, oups, Ubuntu. Donc, il va aller chercher cette image-là qui est donc sur Docker Hub, qui est non officielle. Hein, on voit que c'est écrit public parce que l'architecture 32 bits n'est pas officiellement supportée par Docker. Et là, il va aller chercher cette image qui est un Ubuntu 32 bits strippé. Une fois qu'il a passé, il passe au prochain layer avec le nom de la maintenance. Il passe step 3 à l'environnement. Et là, il va rouler à l'intérieur du container la commande que je lui ai donnée. Donc, la pt-get update et faire l'installation du Apache. Ça ne va pas être trop long. Là, c'est sûr qu'il y a pas mal de packages à mettre en place. Juste un instant. Pif, paf. Je vérifie ma vidéo quand même. Là, il va faire l'installation. Donc, comme je dis, normalement, quand j'avais créé mon Dockerfile à l'origine, j'avais simplement roulé i686. Donc, attends, je vais juste changer mon clavier en canadien. Okay. Docker run i686 Ubuntu. Donc, j'avais démarré mon Ubuntu. Ouais, excusez. Bash IT. Donc, interactif, terminal, puis là je lui dis la commande que je voulais démarrer, donc dans le cas présent, bash. Donc quand j'avais créé mon Dockerfile d'origine, j'étais parti comme ça, donc en bash, avec juste l'image de base qui était présente. Donc là j'ai vraiment pas grand-chose, là. Je suis même pas sûr que j'ai Vim, c'est ça, j'ai même pas VI. J'ai VI, ah j'ai même pas VI, bon. Donc, je pensais que j'avais VI là. Mais donc, j'ai même pas d'éditeur. Donc, c'est vraiment hein, une version strippée pour que ça prenne le moins d'espace. Parce que mon Docker, je veux qu'il roule Apache. Pas envie qu'il édite des fichiers ou qu'il fasse quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est que je strippe au maximum mon container pour qu'il y ait le moins d'applications dedans, pour qu'il ne roule uniquement mon application. Bien entendu, si j'en ai besoin, je peux rajouter et installer. Donc moi, ce que j'avais voulu, je m'étais dit, OK, j'ai updaté ma liste de package. Donc ça, je suis obligé de le faire parce que encore là, mon Ubuntu, vu qu'il est strippé, lorsque je le reçois, il n'a pas la liste des packages qui sont disponibles sur Internet. Encore une fois, pour réduire la taille de mon container de base. Et après, je fais un... J'avais dit, bon, ben, je veux avoir Apache. Mais si je prenais par exemple l'exemple que je voudrais installer un serveur SNMP, ben, j'avais fait apt-get install
SNMPD. Donc là, j'ai installé mon SNMPD. Donc j'ai copié-pasté dans mon Dockerfile après cette commande-là. J'ai fait mes configurations, j'ai validé que ça marche et j'ai copié l'ensemble de mes configs. Donc vraiment, je pars de quelque chose de flat et je build comme ça au fur et à mesure pour avoir mon Dockerfile. Donc le résultat, du Dockerfile qui semble un petit peu... lui il dirait qu'il part avec un Dockerfile comme ça à froid. Ben non, en fait, le truc c'est tu le construis à côté, puis tu copy-paste l'ensemble des commandes que tu as réalisées. Donc c'est pas sorti nécessairement de mon chapeau. Bien entendu, tu peux toujours te référer à d'autres Dockerfile parce que sur si je retourne sur le hub Docker, mettons que je voudrais démarrer un Apache. Il y a une communauté, il y a beaucoup de monde qui utilise Docker avec Apache. Donc l'avantage, c'est que, ah ouais, moi aussi, je veux faire un Apache avec PHP. Ben, je peux cliquer là et si vous regardez, j'ai l'onglet Dockerfile qui est là et je peux voir comment lui, il l'a fait. Ah, lui, ok, il est parti de from d'une image qui est là, donc qui est la sienne, qu'il a dû créer. Et là, il a exécuté ces commandes-là, il a démarré en pre-fork, etc. Donc, ça me permet aussi de me référer, avoir des points de référence, de voir comment les autres, eux, ils l'ont fait. Tout ça sur le hub Docker. Puis là, je ne sais pas combien il y en a, là, mais il doit en avoir un shitload, comme on dit. Donc là, j'ai quand même pas mal de références là, qui sont présentes, qui va me permettre de... Je sais pas si c'est vraiment le 5190 personnes qui ont Apache avec Docker, mais c'est possible. Ça me permet de voir avec CentOS, avec Debian. Donc moi, j'utilise souvent ça comme point de référence pour voir, ah ouais, ok, moi j'ai pas pensé comment il le fait lui. Ah ouais, tu sais, c'est une bonne idée. Et puis, toujours dans l'idée du partage de connaissances qui est présent. Ok. Oui, des petits warnings qui sont présents, mais c'est pas bien grave, il a quand même réussi à passer. Donc là, ça c'est tout le processus d'installation. Là, il a fait mon run pour exécuter, changer mon time zone. Il informe qu'il va exposer le port 80, bien entendu, si j'avais le port 443, je le rajouterais aussi. Et la commande qui sera exécutée à la fin. Il a fait l'ensemble du processus. Et maintenant, si je regarde Docker image, je vais grepper pour juste. Donc là, j'ai mon image qui est quand même assez grosse parce que mon image de base, elle est déjà grosse. Là. C'est pas la meilleure. Là. On est mieux d'utiliser la 64 bits. Là. Mais bon, j'ai juste continué avec ce que j'avais. Et donc, ça fait 309 MB pour avoir un système d'exploitation avec juste Apache dedans. Si vous voulez, je vous invite, là je ne vais pas faire la formation avec ça, mais il y a Alpine, tu prononces ça comme tu veux, qui permet d'avoir, je pense c'est 5 MB, hein, 5 MB l'image de base. Donc c'est vraiment encore vraiment beaucoup plus strippé. Bien entendu, ça dépend les modules que tu as, si tu as des modules qui sont juste compatibles avec Debian ou CentOS, tout dépend dans le cas. Mais c'est ça, Alpine si on regarde. Et beaucoup de monde commence à l'utiliser, même moi je parlais du SNMP un peu plus tôt. Là. J'ai commencé à l'utiliser pour justement réduire la taille. Là je vois pas. Là. En tout cas, j'aurais cru qu'on aurait peut-être vu la taille, mais c'est ça, c'est 5 MB. Mais là, on ne peut pas utiliser apt-get, c'est apk. Donc, il faut juste s'ajuster, en fait, parce que ça reste une autre distribution Linux. Mais dans le cas de Docker, c'est assez intéressant. Mais comme je dis, vu qu'on a fait toute la formation avec Debian puis Ubuntu, je suis resté à Debian Ubuntu plutôt que rajouter une autre donne dans la situation. OK? Ça c'était plutôt pour vous puissiez aller voir un peu plus loin. Donc maintenant si je roule mon container donc Apache Train, donc là ce que je m'attends c'est que le port 80 soit disponible et que je vois l'Apache par défaut. Grosso modo là je dis exécute le Docker image Apache Train. Je le démarre et la première chose qui me répond, il me donne une liste d'erreurs avec des problèmes de variables qui ne sont pas définies. Donc le Apache logdir, PID, run, machin. Donc j'ai plusieurs variables qui ne sont pas définies qui m'empêchent de démarrer.
Okay? Bien entendu, c'est une erreur calculée. Ce que je voulais, c'était vraiment vous montrer la problématique pour voir comment on fait. Parce que si je vous montre quand tout marche bien, c'est toujours facile, hein? C'est-à-dire, ça marche bien, puis on est bon. Donc, ce que je vais faire pour débugger, je vais démarrer la commande. Donc, je vais démarrer, mais cette fois-ci, je vais lui dire, ne démarre pas Apache. Ce que je veux, je vais passer en mode interactif et avec Bash qui va me permettre de déboguer. Pourquoi il ne démarre pas? Je démarre mon Apache. Donc là, maintenant, au lieu d'exécuter le Apache 2 foreground, il a juste démarré Bash. Donc maintenant, j'ai la main pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Okay. Et là, ce que je vais dire, ah, mais d'habitude, je le démarre comme ça. Start. Hey, ça marche. Je vais regarder, l'adresse IP c'est 2. Là, je vais aller là, je regarde. Wood, j'ai la page par défaut. Ok? Donc là, peut-être tu te dirais ça devrait fonctionner. Mais si on regarde, je n'ai pas du tout utilisé la même commande. J'ai utilisé la commande service pour faire mon démarrage, alors que dans mon Dockerfile, si je remonte, je le mets en foreground. Je n'ai pas utilisé la même commande. Je vais voir comment je l'ai fait. Donc, si on voit. On voit bien, si je refais mon PS dans mon Docker, on le voit que c'est le Docker parce que je suis en route et qu'il y a le ID. Bon. Ça devrait marcher. Je vais essayer la même commande que j'ai mis dans mon Dockerfile pour voir le comportement. Donc, je vais arrêter, je vais faire service, je vais le stopper parce que je ne pourrais pas en avoir deux. Et je vais faire le foreground pour voir le comportement. Bing! J'ai exactement la même problématique qui se retrouve. Donc ça, c'est cool, je suis content. Pourquoi? Parce que la commande service, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder à l'intérieur du fichier env variable et elle va charger les variables d'environnement avant de démarrer mon Apache. Ok, j'en ai plusieurs, j'ai fait un petit grep là. Ah. Mon grep. Ah non, là ce que je faisais. Attendez, je vais voir. Ok. On va revenir. Donc, lui il démarre avec les variables d'environnement. On les voit ici. Grep. Export. Hop. On les voit, c'est toutes les variables qui m'étaient en erreur un peu plus tôt. Donc là, je vais dire, ah ben, fuck. J'enlève en fait lutte dans mon Dockerfile. Je vais changer mon Dockerfile. C'est vraiment une commande de merde, ça. Et je vais mettre la commande avec init.d service start, qui est la même commande avec service. Celle-là, elle marche. Je viens de la tester. Fait que ça devrait être bon. Je sauvegarde. Je refais mon Docker build parce que maintenant mon image, elle a changé. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il va juste changer mon layer qui a été modifié. Donc, toutes les premières parties, elles n'ont pas changé. Donc, il garde l'historique dans son cache. Et la seule chose qui va rouler, c'est le step 7. Donc, la commande qui a changé. C'est vraiment ça qui est fabuleux avec Docker quand tu fais des modifications. Tu sais, là, tout à l'heure, j'avais eu le temps de parler de Alpine et tout ça, puis des autres Docker Hub. Là, j'ai changé juste le startup, puis il me l'a fait de manière instantanée. Ça, c'est magnifique. Je vais rouler mon container, pas avec Bash, mais donc maintenant il va utiliser le init start. Je le démarre. Ah, cool. Donc là, ça devrait être bon. Je vais retourner à mon 2. Je fais un shift refresh. Oups, ça tourne dans le beurre. Il n'y a rien qui se passe. On voit la petite roulette. Je comprends pas. Je fais un Docker PS. Ah, ça c'est celui-là qui est ici. Je vais le fermer pour pas qu'on soit. Je fais un Docker PS, mais en fait, j'ai pas de Docker qui roule en ce moment. Okay? Et pourtant, je l'ai roulé ici. En fait, le Docker, comment il va fonctionner, c'est que la commande qu'on va lui donner, faut pas qu'elle soit en background. Faut qu'elle soit en foreground. Parce que lui, s'il le met en background, il roule. Tout ce qui a été mis en arrière-plan, ben, il va le lancer. Mais quand il va finir,
ben là, il a fini de traiter son fichier. Il sort de. C'est comme si je m'étais connecté en SSH, j'avais démarré une application, puis que je m'étais déconnecté. Ben, toutes les applications que j'avais démarrées moi-même avec ma SSH, ben, elles sont perdues. Donc, il va. Lorsqu'il arrive à la fin, il supprime tous les process enfant que j'avais démarré. C'est pour ça qu'il faut que mon application démarre en foreground. Donc, qu'elle reste en premier plan à l'intérieur de mon container. Ça, c'est le petit truc de passe-passe. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas vraiment utiliser le etc init.d à page 2 parce que par défaut, il le met en background. Voilà, là j'ai une able to connect qui est enfin arrivée. Donc, ce qu'on va faire, je vais le redémarrer, mais cette fois-ci avec bash. Donc, encore une fois, je bypass la commande qui est partie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les variables d'environnement qui sont là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste extrait les variables qui, lui, lit avec le init.d, donc qui charge avant de démarrer réellement le Apache. Ça va jusque-là? En fait. Et ce que je vais faire, donc toutes ces variables qui sont bien là, je vais les définir dans mon Dockerfile et je vais rechanger pour que j'ai mon foreground qui soit présent. Ce qui va me permettre aussi, ultérieurement, d'avoir à l'intérieur, d'avoir dans mon container, d'avoir une malléabilité, yeah, merci, de pouvoir changer mes configurations aussi à l'intérieur de mon container indépendamment de mon installation. Donc, je vais rajouter ça. Parfait. Je quitte. Dockerfile. Et battez celui-là pour le remettre en foreground. Ouais, je rebuild. Encore une fois, tout ce qui est le processus d'installation étant déjà fait, il passe par-dessus. Et à partir de où j'ai fait un changement, donc la définition de mes variables d'environnement, il va pouvoir se mettre. Et là, je vais rouler mon nouveau container. Parfait. Donc là, on voit, il est en foreground. Donc, mon container, il s'est arrêté là. Je peux lui passer en argument quand je lui donne le run, je peux lui dire moins D pour qu'il roule en daemon pour pas qu'il soit, pour pas que mon terminal soit pris. Là. Là, c'est sûr que vu que je suis en processus de création, là, c'est beau. Hein? Donc, je veux l'avoir en premier plan pour pouvoir le débugger. Donc, hein, ça c'est l'adresse IP. J'y retourne. Parfait. J'ai ma page par défaut, donc j'ai mon Apache qui roule à l'intérieur de mon container maintenant. Et je peux déplacer ce container d'une machine à l'autre sans problème. Ouais. Puis si je fais le Docker PS. Oups, excusez. Docker PS et Docker inspect, parce que là on voit que j'ai pas l'adresse IP. Inspect. Le nom grep IP. J'ai l'adresse IP du container qui est dynamique vu que c'est un DHCP de mon container. Okay. Va bien? Parfait. Visualisons un petit peu le réseau à l'intérieur du container Apache. Voilà, là on voit que j'ai. Dès que c'est moi qui fais l'image, hein, ça paraît. Hein. La qualité, elle est différente. Mais bon, quand j'essaie toujours. Vu que l'ensemble du matériel en créatif, quand même, si je trouve pas des images en créatif, quand même, je suis comme pris à le faire moi-même. Et bon, c'est là que ça fesse un peu. Bon, ici j'ai deux containers. Donc ça, c'est mon Docker host global. Donc ça, c'est ma machine, mon laptop dans mon cas présent. J'ai un container et j'ai un Docker Host Internal Network. Donc ça, c'est le réseau interne des containers. Donc qui est en 172.17. C'est pas un slash 24, c'est un slash 16, mais c'est pas grave.
Donc, 172, 17, 0, quelque chose, ça va être l'ensemble de mes machines qui sont à l'intérieur de mon container, de mon Dockerhouse. Et chaque container a une adresse IP parce que chaque container a son propre stack IP. Ici, il va le représenter en ETH0, ETH0 ici, pour des questions de compatibilité. Mais en fait, sur ma machine en elle-même, il va me créer un VETH quelque chose. Si on regarde chez ma machine, si on toujours ifconfig là, pour ceux qui sont habitués. Donc ici, j'ai une interface Docker0 pour mon Dockerhouse. J'ai mon ETH0 qui est mon fil qui part de mon ordinateur pour aller dans le mur. Et ici, j'ai la carte réseau qui a été créée virtuellement pour mon container Apache. Donc, moi, de mon Dockerhouse 0, ma machine, je peux communiquer avec 172 17 02 pour accéder à la machine. OK? Mais si je demande à une personne qui est sur le réseau, donc mettons 172, 192 168 42 10 par exemple, malheureusement, cette personne-là sera jamais capable de communiquer avec 172 17 0 parce que c'est pas routé en fait sur le réseau. C'est vraiment juste routé à l'intérieur de ma machine. Donc ça, j'ai cette problématique, en parenthèse, avec Docker qui est présent. Ce que je vais devoir faire pour pouvoir fonctionner, il va falloir que j'ai une redirection qui soit faite. Ah, j'ai pas relu avant. Ah, ok, bon, là, je fais d'abord dans l'autre sens. Ok, on va faire un peu de réseau. On va en faire plus jeudi là, mais c'est pas grave. Si on regarde à IP Tables, parce que là, on va dire, ok, mais je peux pas rejoindre la machine, mais comment ça se fait que si je reroule avec Bash, c'est ça. Donc là, si je refais ifconfig juste pour démontrer. Ah. Ouais, ifconfig, c'est dp created, là, je devrais utiliser ipaddr show, là. Mais bon, il y a quand même plus de output, là. Les gens, ils sont plus habitués à ifconfig. Ça, c'est pour certains qui. Hein, je l'attendais, celle-là. Donc, comme on voit, j'ai toujours une interface qui est là, celle qui était pour mon Apache. Et vu que je viens de démarrer un autre container, il vient de me créer une nouvelle interface virtuelle, encore. Et si je regarde. Ma nouvelle machine, donc j'ai juste démarré en bash pour faire la démonstration, ipaddr show ou ifconfig là. J'ai une carte ETH0 et là il a incrémenté, donc l'autre machine c'est l'adresse IP2, celle-là c'est l'adresse IP3, etc. Mais elle, dis-moi que j'ai telnet, wget, nc, ok. Quand je dis, hein, c'est strippé là. Wget et. Get install telnet, ça va bien là, juste pour pouvoir faire la démonstration. C'est bien quand c'est strippé, mais bon, quand tu veux, après. Moins Ouais, il manquerait plus que ça, sinon c'est comme quand tu installes une machine puis que ton driver réseau il marche pas, c'est toujours bien problématique. Là. Ok, voilà. Si je fais par exemple, hein, tiens, on va aller sur mon C, 80, on voit que la machine n'a pas de problème à accéder à l'extérieur. Donc j'arrive bien à aller sur le site de Xerus, puis à faire une requête et il me renvoie de l'information. Et pourtant, il a bien donné une adresse IP externe sur le réseau. Comment il fonctionne? On le verra plus, comme je disais, dans la prochaine formation. Ce que lui il va faire, en fait, il va faire du masquerading. Il y a pas mal de output là, mais c'est pas grave. Ici. Donc, en fait, c'est la ligne qui est là. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que il va faire du masquerading. Du masquerading, ça veut dire qu'il va donner l'adresse IP de sortie de la machine. Donc, dans mon cas, ipaddr show eth0.
il va donner l'adresse IP 172 30 42 42. Donc, quand la source, c'est 112 17 quelque chose, peu importe la destination, il va faire du NAT, en fait, et il va masquer l'adresse IP source pour la changer avec la destination. On va regarder avec un petit graphique maintenant. Donc, j'ai mon container Apache Train qui a l'adresse IP 112.17.0.6. Quand il envoie les paquets, la source, c'est le point 6. La source port, c'est un port random. On verra plus demain, jeudi, excusez. La destination, c'est l'adresse IP dans le dedans de l'Internet pour le port 80. Quand ça passe à l'intérieur du Docker Engine, il renvoie vers la gateway par défaut. Et ici, quand ça va ressortir, il va changer l'IP source pour l'adresse IP qui est sur le ETH 0. Il va garder le source port, il va garder la destination et la destination du port. Résultat, en fait, ce qu'il fait, c'est vraiment du NAT, Network Address Translation. Donc, il va changer l'adresse IP source pour que quand ça sort, ben, le serveur, à l'arrivée, soit en mesure de communiquer avec. Et quand ça va revenir, ben, IPTable, il est assez intelligent pour dire « Ah oui, ok, c'est la communication réseau revient de cette machine avec ce port-là. Ah ben oui, j'avais fait le pont entre les deux. » Et il va refaire la conversion pour que ça aille vers la bonne machine. That's pretty much. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. En fait, il fait du routage. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment du routage plus pour le NAT. Mais oui, effectivement, tout le travail du Docker Engine est capable de router du réseau pour ses containers et avec l'intérieur du réseau. Effectivement. Et dans l'autre sens, en fait, et c'est exactement ça, tu suis bien, c'est bien, je suis content. En fait, dans l'autre sens, il va falloir, comme je fais quand vous êtes chez vous et que vous voulez avoir accès depuis Internet à un ordinateur à l'intérieur de votre réseau, vous êtes obligé de faire du port forward pour dire, bon, ben, le port 80 sur l'adresse IP 192.168.42.25, ben, le port 80, tu le fais suivre vers le container là. Effectivement, je suis coincé avec la limitation des ports. Le port 80 ne peut n'être associé qu'à un container, donc pour une machine. Si je veux avoir la possibilité d'avoir plusieurs ports 80 qui écoutent pour un Dockerhost, il va me falloir plusieurs adresses IP. Mais c'est la même problématique. Là, j'ai la facilité du container dans cette situation-là. Mais si j'avais installé Apache sur ma machine, j'avais de toute manière la même problématique. OK? Oui, ben, le port 80, je peux, avec le namebase VirtualHost, faire en sorte qu'il soit capable de le rediriger même plusieurs sites sur le port 80, mais j'ai quand même la limitation du port. Si on va un peu plus loin, en fait, si je voulais avoir plusieurs containers qui écoutent sur le port 80, et vu que j'aurais juste un port ici qui est disponible, ben à ce moment-là, je vais mettre un HAProxy, un système de load balancing, qui lui va voir les paquets, voir pour quelle URL il demande et le rediriger vers le bon container. Ça va être comme ça que je vais faire fonctionner si je veux avoir plusieurs containers qui écoutent sur le port 80 et qui doivent être rejoignables. Bien entendu, si j'ai du SSL, ben mon HAProxy va devoir être en mesure de déchiffrer le SSL pour voir c'est pour quel site qu'il va vouloir avoir. Donc, il y a quand même quelques contraintes qui se retrouvent ici. Pour ce faire, vous pouvez le faire avec IPTables, puis commencer à écrire vos règles pour faire le port forward, etc. Mais l'avantage, c'est que Docker peut le faire pour vous. Donc, je vais reprendre mon container. Je vais l'arrêter. Donc, Docker TS. J'ai plus que mon bash que j'avais démarré. Et ici, je vais lui dire, donc, le port externe
80, tu le rediriges vers le port interne du container 80. Bien sûr, je pourrais mettre, ça pourrait être 82 externe, puis ça va rentrer dans le container sur le 80. Donc là, j'ai quand même une marge de manœuvre qui va exister. Je le démarre. Parce que effectivement, là, c'est super. Ici, il dit comme quoi il a essayé de binder sur l'adresse P, mais il dit qu'il a déjà utilisé sur le port 80. Si on regarde, je vais faire un netstat, un P, pour ceux qui sont habitués, pour les ceux qui vont m'emmerder, SS, qui est parce que netstat est deprecated, là, pour certains, là. Là, je suis pas en route, fait que c'est pour ça qu'il m'a pas donné le port. Mais pourquoi j'aime pas SD là? C'est que toi, il met pas le bon. C'est comme un peu décalé, c'est ça qui m'emmerde. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on voit le Apache qui écoute déjà sur le port 80. On va faire la même chose avec Netstat là. C'est quand même plus beau là, mais bon, c'est deprecated. Sorry. Donc sur le port 80, j'ai Apache qui roule. Effectivement, c'est que sur mon laptop, je l'avais démarré. Ce que je vais juste couper, c'est sur ma machine en elle-même, sur mon dock, c'est sur ma machine, c'est pas à l'intérieur du container. Là, je vais refaire netstat. Le port 80 n'est plus ouvert. Et si je redémarre, donc là, il a démarré, toujours, bon, il a conservé l'adresse IP2. Et si je refais un netstat, ici, j'ai un process qui s'appelle Docker Proxy, qui va faire le travail de redirection du 80 externe vers le 80 interne du container. Okay, donc maintenant, mon site, il est disponible avec... C'était quoi mon adresse IP là, déjà? TH0. Donc maintenant, sur le réseau, avec l'adresse IP, j'ai tout le monde sur le réseau a accès au container Apache qui a été créé. C'est bon? Ok. Là, c'est super cool, mais si c'est pour juste afficher la page web de défaut d'Apache, c'est un peu poche. Il va peut-être falloir aller un peu plus loin pour pouvoir fonctionner. Il y a plusieurs manières de mettre en place votre site web. On va commencer par la mode Git ou subversion. Là, c'est sûr que je vais le faire avec Git pour, encore une fois, pour montrer Git pour ceux qui ne connaissent pas ou pour montrer un petit peu les différences. Ah, je vais essayer ça à partir d'ici que ça change. Je vais juste le prendre. Ok, parfait. Je vais arrêter ça. Et on va rajouter des petits blocs de code ici. Ok. Ah, j'ai oublié une chose par contre, excusez. Ça ne marchera pas. Ah, le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Ok. Donc là, moi, en fait, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser un repository. Donc, comme je dis, Git ou subversion, peu importe, qui stockera en fait votre site web. Donc, si je regarde ici, j'ai un site web, site formation que j'ai créé, qui est assez, qui est pas très beau, mais c'est pas l'objectif. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait différentes branches de mon site web qui va me permettre d'avoir des containers qui vont varier d'une version à l'autre. Et une fois qu'ils sont fonctionnels, ben, ils sont comme statiques, ils sont brûlés. Donc, si je dois revenir à une ancienne version dans le temps, ben, je reprends mon container qui a été tagué avec cette version-là. Puis s'il fonctionnait avant, il va continuer à fonctionner dans ce cas-là. Okay. Donc, c'est vraiment ça l'idée que je vais utiliser. Donc, peu importe, si je prends le 2.2, ben là, le contenu du site web est changé. Et l'avantage, c'est que ben, ça vous permet de garder une historique des modifications qui m'ont été faites. C'est vraiment ça l'idée à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini d'autres variables d'environnement. Donc, j'ai défini où est contenu le site web, donc qui est contenu donc le document root dans var www.html. Donc là, je le mets vraiment dans la place par défaut. Pour le moment, je ne touche pas au fichier de configuration d'Apache.
Okay? On va y arriver dans un next step là, où on va voir comment changer les configs d'Apache. Je définis le repository où récupérer l'information. Dans le cas, c'est dans GitHub, donc je n'ai pas besoin d'authentification. Et je définis la version qui va être utilisée. La version, en fait, c'est la branche. Donc dans le cas, si je reviens ici, je vais prendre la version master, mais je pourrais définir la version 2.0, 2.1, 2.2, peu importe. Et la mise en place du site web, premièrement, je supprime tout ce qu'il y a dans le site web. Je fais un clean-up et je fais un git clone donc, du site repo, donc changement de variable, la version, la branche master, et je le mets dans le site document root. Ok, c'est parti. Ah oui, là il y a une petite erreur. Avant que je vais tout de suite le faire là. Ici j'utilise git, la commande git, mais mon image de base elle est strippée, fait que j'ai pas git à l'intérieur. Ok, donc faut pas que j'oublie de rajouter ici git pour qu'il rajoute. Et là ça va nous permettre de voir une chose. Je vais rebuilder. Bien. Vu que j'ai changé en haut le apt-get, ben là, vu qu'il y a eu un changement, il refait l'ensemble de la configuration, chacune des étapes à partir de la ligne que j'ai modifiée. Okay? Parce qu'il ne sait pas si le apt-get que j'ai fait aurait un impact sur les layers subséquentes. Donc, il ne prend pas de chance. Il refait l'ensemble à partir qu'il y a eu une modification. C'est bien important. Ce n'est pas très long dans le cas. C'est sûr que là, vu que c'est Apache, c'est un peu plus long comme processus. Donc, on va rouler. Le gros avantage que ça va me permettre, parce que là, en ce moment, je roule, je fais un build directement. Donc à chaque fois il me fait, si j'affiche mes images, Docker image, grep train. Vu que je fais toujours un Docker build sans préciser, il met toujours les tests comme tag, comme argument. Mais on va voir, j'en profite pendant que ça build, que si je définis, mettons, site version 2.0, je vais pouvoir définir un tag spécifique, ce qui me permettra de conserver des containers, un container pour la version 2, un container pour la version 2.1, et vu qu'il est brûlé et statique, ça va me permettre que dans le temps de revenir à ces versions-là, je pourrais même avoir un tag pour un client spécifique et de revenir dans cette configuration-là pour la réutiliser. Donc ça me permet dans le temps là, de revenir facilement sans avoir nécessairement un système de snapshot ou une copie externe ou donc, et même avec le Dockerfile de revenir. Parfait. Et surtout, ce que ça va m'assurer, c'est que vu que je fais mon git clone ici, ben, il est déjà à l'intérieur de mon image. Donc, disons que ma version 2.0, je fais une extraction le 1er juillet. Donc, mais dans le temps, mon git, il change. Donc, 2, 3, 4 juillet, il y a des changements qui sont faits. Mais tant que je n'ai pas refait mon build, il va conserver la version que j'avais créée à l'origine. Donc, il y a un avantage que c'est brûlé, que c'est conservé. Le désavantage, c'est que ça n'a pas évolué dans le temps. Il va falloir que je la recrée. Par contre, ça peut me garantir qu'à telle date, j'ai créé mon container, il marchait. Donc, cette version-là, elle est figée dans le temps, en fait, tant que je ne le recrée pas. Oui, Ariel? Mais chaque fois qu'on lance le Docker build? Non. Avant de lancer, juste démarrer le Docker, ouais. Il dit de faire un git clone avec la nouvelle version ou la dernière, peut-être? Non, ça, quand je fais le run ici, ça brûle dans l'image. Oui. C'est ça. L'image, elle est statique. Ce qui va être, quand je vais rouler mon container, c'est la commande cmd. Mais oui, à chaque fois que je vais rebuilder,
il va aller chercher la dernière version. Mais il y a deux étapes. Il y a création d'image, exécution du container. Okay. C'est pour ça que je dis qu'elle est figée dans le temps à partir d'une certaine date, okay, quand j'ai fait le build. Donc, run, c'est juste au moment de builder. Exactement. Okay. Il doit avoir fini là, j'espère. Ah, oh, putain. C'est toujours trop long là. J'aurais dû mettre le layer plus bas pour qu'il conserve le Apache, mais bon, ça aurait été moins propre. Mais quand je fais mes tests, en fait, souvent c'est ça que je fais. J'ai toutes mes applications que j'ai pensé à installer au début, puis après là tu te rends compte qu'il t'en manque une, puis vu que t'as pas envie qu'il rebuild, donc tu gardes le layer où il a mis toutes les applications, puis tu remets un petit run en dessous pour qu'il fasse juste celle-là. Donc, mais après ça devient moche, faut que tu consolides un peu le tout là. T'as une coupe tapée de tes guettes à la fin là qui traîne là, un peu partout là, mais c'est pas grave. Et le temps il passe. Tuk tuk, ça va bien, non? Allez. Hein? Allez. Moi, il a tout fini de télécharger. Donc, ce qu'on va voir dans un instant, c'est que vu que je vais pouvoir créer plusieurs images avec différentes versions, je vais pouvoir rouler plusieurs containers avec des versions différentes sur la même machine. On s'entend que ici, si vous regardez dans mon run, j'ai pas de port forward qui est fait. Donc dans le cas présent, ça va être juste local. Mais ça me permettrait de... Ben là, j'ai mon site web que j'ai fait. C'est quoi la différence entre la version 3 et la version 2? Peut-être là, tu l'as sur le même serveur. C'est self-content. Ils ont son stack IP indépendant. Peut-être tu peux faire des tests. Et là, si on va plus loin, mettons que j'ai un API REST qui est réalisé. Ben là, est-ce que mon API il est compatible entre la version 2 et 3? Ben là, j'ai les deux containers avec les deux types d'API qui roulent. Je fais mes unit tests sur un, je fais mes unit tests sur l'autre. Puis là, ça me permet de valider les deux sans avoir toute une VM que je démarre. Ah, ok, est-ce que je peux installer ou non? Puis surtout, quand j'ai fini, j'arrête mon container. C'est fini, c'est clean. J'ai pas pollué ma machine avec plein d'applications que j'ai mis. Et ben, si il y a des applications qui ne sont pas compatibles de l'un à l'autre, parce que ce n'est pas la même librairie de machin, ben là, je n'ai pas de problème parce que tout est à l'intérieur d'un container indépendant. Donc, c'est vraiment ça le gros gain que je vais avoir dans cette situation-là. Et surtout, je peux le déplacer. Là, on ne le fait pas, là, mais je peux faire un Docker save, Docker load ou pousser ça sur le hub Docker ou avoir un registry privé, peu importe. Là. Ça, c'est un peu plus loin qu'on peut voir ça. Yeah, that's so fast. OK, parfait. Donc, là maintenant, j'ai mon container et là, je peux le rouler. Je vais enlever le... Je roule mon container. Point 2 encore, super. Et là, si je fais... Voilà, j'ai pas mis le port forward. 17.2. Et là, j'ai mon site du mouton qui est là. OK. Et là, on va, avant de quitter, parce que là, je sais que je suis à la bourre, je vais arrêter celui-là. Je vais changer mon Dockerfile, ça va être moins long cette fois-ci, pour définir, mettons, la version 2.0. Donc là, vu que j'ai juste changé, et là, ce que je vais dire to build, mais cette fois-ci, c'est pas latest, c'est la version 2.0. J'exécute. Donc là, il fait juste la partie 2.0. Il fait la suppression du site web, puis il refait le git clone. Et maintenant, je peux avoir Docker run. Je vais le mettre en background. Hop. Et je vais démarrer aussi le Docker latest. PS. Donc, j'ai mes deux containers qui roulent. Je vais juste récupérer les adresses IP. Inspect.
rep IP. Donc, 0.3 pour le default et deuxième, 0.2 pour la version 2.2. On va regarder. Version 2.2, ça c'est la version du Apache Train 2.0, c'est ma version. Et l'autre version, 12, 17, 3, qui est le site master. Donc là, j'ai vraiment les deux qui roulent avec deux Apache distincts. Je pourrais en avoir un qui serait en pre-fork et l'autre en worker sans aucun problème. Et je n'ai pas de conflits qui vont se présenter et faire des validations entre l'un et l'autre. Bon, donc on va s'arrêter là parce que là, vu là vous allez me dire ouais, mais moi je suis un gros porc parce que tu sais, mettre ça dans Git et tout, tu sais, je suis pas si structuré que ça là. Moi j'ai un site qui, tu sais, il faut que ça bouge là, tu vas pas commencer à builder à chaque fois là pour changer mon site web là, tu sais. Moi c'est pas un site web corpo que je fais là, c'est un site web pour le fun là, je vais pas builder à chaque fois. Donc on va voir comment on va pouvoir avoir la main sur les fichiers pour pouvoir les modifier comme ça à la volée sans être obligé de rebuilder un container à chaque fois, parce que moi j'en ai pas besoin. Ce que je veux juste, si vous voulez juste isoler le Apache pour avoir des configurations distinctes, mais je voudrais avoir mes fichiers dans un répertoire, puis je les modifie, puis hop, ça s'update tout de suite plutôt que faire un git commit, git clone et machin. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire moi? Ce que je veux juste, c'est que ça soit rapide. Donc, dans la prochaine étape, on va voir comment on va pouvoir avoir accès localement. C'est l'équivalent d'un share ou d'un mountbind qui va être réalisé pour pouvoir modifier hop, à la volée les fichiers sans être obligé de faire des git clone. C'est sûr que c'est moins propre parce que là, tu n'as pas d'historique de modification et tout ça, puis de release de version. Mais là, après, ça dépend de vos besoins, vos requis dans l'opération du day-to-day. C'est sûr que je vous conseille d'utiliser git. Après, là, ça dépend. Là. Comme, même chez moi, là, j'utilise pas ça parce que je veux faire des tests, machin, j'ai pas envie d'avoir un git clone rebuildé à une version à l'autre pour mon container, vu que c'est brûlé dedans. Je fais mon mount, puis oui, effectivement, à la fin, je commit dans git comme ça. Ah, ok, là j'ai fini de faire mes tests, mon travail. De binder sur ton portal la config et automatiquement soit modifié dans les Docker. Mais tu peux aller directement dans les Docker et modifier la config d'Apache. Oui, je pourrais faire ça aussi. Le seul problème, c'est que si je vais dans le container, quand je l'arrête, c'est ça qu'on va voir, je vais perdre mes modifications. Tandis que si j'ai un mount, donc si j'ai un répertoire, donc là, je pourrais avoir un répertoire, mon site web, et dedans, j'aurai l'ensemble, mes index.html, tout ça, puis je pourrais les modifier. Et ce qui va faire le container, c'est qu'il va aller regarder dans ce répertoire-là pour avoir son site web. Donc ça dépend. Ça dépend du besoin. C'est sûr que quand tu es rendu à faire du déploiement automatisé ou tu es poussé sur les serveurs, cette solution-là, elle est plus ou moins idéale. Mais tout dépendant, quand tu es en train de développer, tu as peut-être envie juste d'avoir un répertoire où tu fais tes modifications à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on va voir. Et on va justement voir comment travailler avec ce répertoire-là, puis les contraintes un petit peu avec le Docker. C'est bon? Merci. J'aurais bien voulu aller plus vite, mais bon, c'est toujours pareil. Hein.